Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Ou deux personnes se fatiguent. Le prophète Crasso ne peut pas se fatiguer parce que c'est son don. Chacun a son don. Moi, je respecte aussi le ministère des gens. Mais pour vous dire que la sorcellerie existe, c'est une triste réalité. Comme un événement que j'ai produit hier à Angré, parce que moi je suis dans le quartier d'Angré, mais moi je suis au château. La chose se produit au 22e. Voilà, 22e. Ah, les gens disent, ah, tout est dans le même quartier, le problème. Ne demande pas chez moi. Quand je vais à Abidjan, frère, je dors tranquille. C'est si je travaille. J'ai toujours dit aux gens, je ne le sors pas à Abidjan. À moins que ça soit vraiment une urgence, parce que chacun a son territoire. Et laisse ceux d'Abidjan faire leur boulot, faites pour vous. Moi, je suis à l'intérieur. Voilà, donc il y a un événement qui s'est produit hier à Abidjan. Les gens m'ont appelé, puisque moi, c'est mon domaine, ils m'ont appelé. J'ai dit, Dieu merci, vous commencez à comprendre. On dit une femme qui a fait une chute, elle devait... Elle a fait l'atterrissage sur une toiture. Une vieille, toiture. Il emmène la police, les gens parlent. J'ai dit, non, moi, j'ai vu ça chaque jour. Je me réveille dans ça. Voilà, c'est pour vous. Pour vous, c'est étrange. Hein? Pour vous, c'est étrange. Et ça fait le buzz sur le Facebook, ah, les sorcelleries. Non, c'est ça que nous combattons les sorciers. Voilà, donc que la sorcellerie existe. Et puis, il y a des gens qui sont incrédules, qui sont venus encore balancer sur mon mur. C'est parce que dans un pays blanc, qu'ils ont retrouvé une vieille, mais qui était atteinte de l'Alzheimer. J'ai dit, mais comment vous pouvez comparer, vous pouvez, les exemples bizarres, banals. Voilà, pour contredire la chose, il faut dire qu'en fait, la dame en question était malade, qu'elle n'avait pas la sorcellerie. Mais vous prenez l'image d'une vieille dame en Europe pour dire, voici une histoire qui s'est passée en Europe, mais cette femme, on l'a retrouvée sur la toiture, mais elle était malade. J'ai dit, les blancs ont leur réalité. Bon, mais nous avons une réalité. Voilà, je pense que il faut que les gens ouvrent les yeux, qu'ils comprennent que la sorcellerie existe et que c'est réellement le mal même. Et c'est ce qui nous détruit, c'est ce qui crée assez de trucs au niveau de l'Afrique. Amen. Heureusement que les gens commencent à comprendre. Les incrédules, là, ceux qui ne croyaient pas à ça, là, c'est eux-mêmes sont sorciers. Parce que quelque chose qui n'existe pas n'a pas de nom. Voilà. Les blancs même eux-mêmes disent que maladie mystique, c'est-à-dire une maladie pleine de mystères dedans. Et puis en même temps, on nous parle de sorcellerie. C'est en français. Et la définition veut dire lanceur de sort. Et les premiers à combattre la sorcellerie sont des blancs. Eux-mêmes. Donc cherchez à connaître l'histoire. Ne vous jetez pas comme ça. Voilà. Les blancs ont une autre manière de voir la chose. C'est vrai que c'est la magie, ce sont les dérivés de la sorcellerie, c'est aussi la sorcellerie. Les blancs ont demandé aussi de voir aussi cette histoire de Harry Potter. Eux-mêmes ils disent l'apprenti sorcier. Ils ont demandé aussi de voir ça. Mais la sorcellerie c'est une réalité. Et qu'elle est quelque part, ça détruit. Voilà. Moi j'étais un peu dans l'ignorance, je ne savais pas aussi.
Mais quand ça m'a touché, j'ai fini par croire ça. Ça dit ça, quand ça te touche là, tu n'as pas besoin de dire, toi mais tu rends témoignage. Amen. Que Dieu nous garde. Voilà, que Dieu nous garde longtemps en vie. C'est-à-dire qui vivra, verra. Voilà, c'est tout. Mais que Dieu nous préserve contre ces méchants. Parce que quand il y a la sorcellerie dans ta vie, c'est dangereux. Hein. Voilà. Tu penses que c'est loin. On va penser que c'était des mémés, ils sont en cage. Ils ont quatre mains pour marcher, c'est difficile. Oh, les petites mains, c'est des grandes mangeuses d'âme. Ça va? Bien. Ta fille, là, je l'ai envoyée chez moi. Elle est la troisième sorcière. Elle est sorcière. Bien. Je l'ai envoyée à Abidjan. Elle n'a jamais connu. Elle n'a jamais été à Abidjan. Non. Elle n'a jamais allé. Son poulet s'est cassé hier. Au plateau. Elle n'a jamais allé. Il t'a là acheté ses habits. Donc, et puis, je suis allé au plateau, ma banque, pour prendre les papiers, parce que l'ambassade demandait. Quand on dit, ouais, plateau, là. Il a regardé la rétroviseur. Son cou voulait se casser. Elle tord la tête comme ça, elle regarde, plateau. Et puis, j'ai remarqué, ils l'ont frappé. Oui. On était parti. Ah non. Il a failli couler les larmes. Parce que son dos, elle a. Pourquoi j'ai lâché des habits? Parce qu'elle a des habits bizarres. Épaule là, ça jette, ça tombe. Dans son dos là même, j'ai vu les cicatrices. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, sorcellerie, elle dit qu'on est les sorciers. Donc, on la chicote pour la délivrer. Ouais. Pas éviter, pas éviter, pas éviter. Voilà. Vous connaissez beaucoup de sorciers. Hé, hey, papa, bibite, ça nous a fait pitié d'eux. Vous avez pas, ils ont frappé la fille. Frappé une semaine même. Attends, la chicoté. Oui. Pour qu'il parle. Non, c'est pas pour parler. Vous les chassez. Eh bien, allez, ça vous les a envoyés ici. Quand j'ai vu que ça n'allait pas là, j'ai dit, ah, pourquoi je me sauve, sinon ils vont mourir. Chaque jour, que Dieu fait, on va la chicoter matin, on va la chicoter. Pourquoi? Il disait quoi? Il n'y a rien. Pourquoi la sorcellerie n'a qu'à quitter. Que Dieu nous aide. C'est les pasteurs qui disent ça. Oui. Nous autres qui les chicotons pas là, vous nous critiquez, vous nous insultez. Aujourd'hui, la voici, elle est chez moi. Elle regarde la télévision, elle est là. Elle dit, tu veux rentrer dedans ou bien? C'est pas bon, quand on a grandi en Brousse, on est en train de l'actualiser un peu. Elle a eu plateau, sa tête veut s'animer. J'ai acheté ses habits. Voilà, j'ai acheté ses habits. Ouais, c'est important d'aimer l'homme. Elle n'a rien à voir avec moi, ma vie. Je ne la connais pas. D'ailleurs, elle est sorcière. Mais je veux enseigner aux yeux du monde qu'on peut partir de la sorcellerie, être meilleur demain. Oui, et puis ça fait partie de notre histoire. On dit être sorcière. Donc, on ne peut pas rejeter une personne parce que. Elle est sorcière. Il faut l'aider à s'en débarrasser. C'est un démon. C'est pour ça qu'on prend le temps de vous faire écouter les aveux publics. Les gens disent, on m'a initié. Ça doit désarmer tout le monde. Le fait même que la personne dit, j'ai été initié, mais ça désarme les gens. Ça dit que ce n'est pas la personne elle-même qui allait se mettre dans la sorcellerie, mais comme son gré, ils lui ont donné cette sorcellerie. Amen. Alors, nous autres, ce que nous pouvons faire, ayant l'amour de Dieu, c'est d'aider cette personne à quitter la confrérie. Parce que ce qui existe, ce qui n'existe pas chez eux, c'est l'amour. Or, nous en tant que chrétiens, c'est l'amour qui nous caractérise. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, parce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Or, de l'amour dont Jésus parle, c'est l'amour, ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour sans intérêt. Moi, j'ai quoi à voir avec la petite là? Je n'ai rien à voir avec elle. Elle ne fait pas partie de ma vie. Et non, non. Mais j'ai dit, il faut l'aider. Ça va? Moi-même, on m'a chicoté là-bas aussi. Quand on chicote, les gens vont me chicoter. Pourquoi? Démon a battu. Mais vous aimez les coins bizarres comme ça. Le coin bizarre.
tout. Et les deux autres filles, elles sont où? Venez. C'est important d'aimer, quoi. Vous savez, quand quelqu'un dit il est chrétien, regardez son comportement. Comment il se comporte vis-à-vis de son prochain. Oui, c'est tout. Vous êtes propre, hein? On a jugé tous. C'est nous à l'accueil de Dieu, l'amour. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'amour. Vous savez, le jour où le Saint-Esprit commence à transformer le cœur de quelqu'un, ce qu'il va installer dans le cœur de ce monsieur qui vient de se convertir ou de l'individu, c'est l'amour. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit du mal. Ce sont les deux esprits qui contrôlent le monde. Ce sont le mauvais esprit et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient avec les fruits de l'Esprit. Tel que l'amour, la patience, la douceur, c'est tout ça. Donc quand on peut être à l'église et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Et puis attendre encore nous mettre d'un mauvais esprit. Or, quand quelqu'un nous met d'un mauvais esprit, il a la haine. Il n'est pas prêt à aider. Amen. Alléluia. Ça va? Ça va tout. Ça a séché? Ça a séché. Bien séché. Ouais, la paix, la paix, c'est un peu plus. C'est là, là, c'est bien séché. C'est comme ça. Moi, ma prière, je veux que Dieu me donne beaucoup d'argent. J'ai aidé les gens. Ouais, je pleure pour ça. Mais monsieur, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, moi j'ai pleuré pour avoir l'amour. Laisse, laisse. Vous voyez, Satan est fini, non? Avant, on ne pouvait pas rester près d'elle parce qu'elle priait. Ça va, tu es contente? Elle allait vendre ses pieds comme pied de porc, pied de bœuf, là, avec Adjidji à Boudjama. Un peu de soupe, un pied de bœuf mangé. Maintenant, tu as pied là. Tu n'es pas contente? Oui, tu es contente. Viens, 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 viens. Ça va toucher les nerfs, ça va toucher les os. Viens. Ouais, ça va passer. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible dit que aimez-vous les uns les autres sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. La chrétienté, c'est pas dans la bouche, hein. Mais ils sont là, je suis chrétien, je suis... ça vérité. C'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je peux avoir quelqu'un dans les problèmes, puis avoir de l'argent, puis le laisser. Non, non, je n'ai pas ce cœur-là. Je peux sortir 100 000 francs, je peux rentrer 5 000 francs. La dernière fois, je t'ai donné... Mamie, je t'ai donné 20 000 francs, non? Pour l'école, non? Quand je suis parti, là, quand je suis rentré, là, le lendemain, je me réveille,
Orange Money, on m'a envoyé Orange Money, c'est 50 000. Puis après, le petit monsieur m'a dit non, il voulait t'envoyer l'argent. Ça va? Amen. Si vous voulez recevoir, donnez. Donnez, c'est tout. Donnez les gens qui sont en difficulté. J'ai senti qu'il est en difficulté. Et en même temps, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est après la délivrance. Vous comprenez? Notre souci, ce n'est pas avec les délivrés. Nous avons l'onction pour te faire sortir de la sorcellerie. Mais après la délivrance. Ta vie, il y a des réalités après la délivrance. La petite, on m'apprend qu'elle a eu son examen, c'est ça? Elle doit aller, aller à l'école. C'est ce que nous recherchons. Voir les gens aller à l'école. Voir devenir meilleur demain. Ah non, non. L'esprit de la sorcellerie, Jésus-Christ, l'église de Christ maîtrise ça. Amen. Où on doit être délivré de la sorcellerie, c'est à l'église. Donc l'église ne rejette pas les gens. Vous comprenez un peu ce que je dis? Avant ce que la personne refuse elle-même de ne pas composer le Christ. On peut comprendre. Ok. Mais ce n'est pas le cas. Les enfants, vous voyez, elles ont décidé d'abandonner cette pratique qu'on appelle la sorcellerie. Amen. Donc, il faut les aider dans le christianisme. La délivrance a été faite, mais et après la délivrance, c'est quoi? Il y a une réalité. Parce que la vie chrétienne, c'est ça, c'est une vie. Elle doit vivre. Qu'est-ce qu'elle doit? Il faut la mettre à l'école. J'ai compris. Et c'est un investissement que j'ai fait. J'ai dit, tiens. Amen. Amen. Et c'est normal que Dieu me bénisse. Si vous voyez quelqu'un en train de souffrir autour de vous, aidez la personne. Amen. Moi, ce qui me marque chez un homme de Dieu, c'est cette capacité d'aider les gens. À part avec l'église, là. Comment le monsieur vit son quotidien. Le souci qu'il fait autour de lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Il voit les gens dire, ah, donnez, mais elle-même ne donne pas. Amen. Oui, quand on est chrétien, il faut partager. Comme Jésus. Vous avez vu qu'à un moment donné, Jésus, les gens manquaient à manger. Et Jésus a donné, il a dit, donnez-moi à manger. Donnez-leur à manger. Ils ont dit à Jésus, mais non, ils sont nombreux. Amen. Jésus, qu'est-ce que vous avez? Le peu qu'ils avaient, c'est qu'ils ont pris. Puis Jésus-Christ a multiplié, il a donné ça aux gens. Amen. Le partage. Jésus leur a enseigné le partage. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? L'amour. Comment on dit ceci? C'est pour ça que notre ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Qui aime le Seigneur? Les gens comme cœur, hein? Moi-même, accident, là, le sang de l'homme, je ne suis pas mort. Quand je vois accident, oh, je suis parti. C'est là que je vois que les gens sont possédés. Vous êtes un être humain. Quand elle demande pardon, et tu le tues. Non. Frère, c'est que c'est un démon. C'est que ce qui est en ligne là, ce n'est plus. C'est plus fort. C'est un esprit. Amen. Alléluia. Il faudrait vivre notre éternité. Que le partage, que l'amour. C'est ça qu'ici, les échanges avec la sorcellerie, c'est chaud. Les échanges très chauds. Ah, tu es sorcier. Mais après. Moi, je te protège après parce que tu as une âme à gagner au Seigneur. Malheureusement, il y a des gens qui viennent avec les sorciers et puis après, ils ne veulent plus les prendre. Bon, prophète a délivré, on s'en fout. Tu t'es délivré, il faut partir avec. Il faut rester le prophète. Amen. Vivons notre amour dans le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alléluia.